Bonjour, bonsoir tout le monde, tout dépend de qui l'est, à qui côté vous attendez à regarder Haïti Viral News. C'est toujours un plaisir pour entrer la caillou pour informer vous sur ce qui fait actualité en Haïti à Cresse Monde. Nouvelle nous portée pour jeudi, c'est concernant un accident qui fait dans plateau central, dans une zone créée les coiffeurs qui trouve dans la ville Belladère. Après serrer la pluie qui fait après-midi à cause point té glissé, un chauffeur yas té obligé à passer dans de l'eau avec yas là, et bien de l'eau qui poté aller yas là. Te gen en pile moun an de machine nan, c'est seulement 8 qui sorti, reste l'autre moun yo pas jeune, donc moun sa yo qui t'a semblé noyé pour moment n'a parlé à poko gen moun ki ka konnen combien moun qui mouri, combien moun qui sauvé, parce que c'est seulement 8 moun qui sorti nan yas la. La gwa se yon d'lo ki pa fort, mais les la pli tombe, d'lo sa kon envahi et kon fait un pile dégâts, li kon pote moun ali, li kon pote machine ali. Donc c'est ça qui rive jodi a, malgré un pile moun te parle à chauffeur yo te dit pas passer dans d'lo a, et bien li essayer passer, et bien n'a passer dans d'lo a, un pile moun déjà noyé. Toujours concernant la Gouaz gagné Renan Luberis, nous connaissons qui c'est proche président République là, qui t'a pris dans YSEC, machine ni te collé dans l'eau ça encore, li pat kara l'il, donc machine nan te collé, c'est un pile manœuvre qui fait pour te retirer machine nan pour li dans YSEC ça passé. Merci à vous-même qui t'a suivi Haïti Viral News. Rendez-vous pour une autre édition. C'est pas pour longtemps. Toujours été connecté chaîne information pour nous toujours informer sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti ou bien à l'étranger. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, Haïti Viral News a informé de tout ce qui a passé dans le pays d'Haïti ou bien à l'étranger. Quel que soit côté où il y a, nous entrons la caillou pour nous barrer tout détail sur tout ce qui a fait actualité. Politique, culture, sport, c'est nous, Haïti Viral News, le média de toutes les informations.